Salut, c'est Boisdin, et si vous êtes observateur, vous remarquez que j'ai déménagé. Voilà, donc c'est un peu vide encore, je suis pas tout à fait installé, mais voilà, c'est fait. Et si vous êtes encore une fois observateur, vous voyez qu'il y a Bois 2. Ouais, c'est moi. Et on va s'affronter à Smash Bros 3DS. Même règle qu'avec V pour Valentin, c'est-à-dire deux vies. Le premier à deux victoires à gagner sur Destination Finale sans objet. Allons-y. Je vais jouer un perso que je connais pas bien mais qui est drôle. C'est il est rond comme un ballon, jaune comme un citron. C'est Pac-Man. Tu prends qui toi? Moi je prends Shake your body. Allons-y, Destination Finale. C'est toujours en deux vies avec Sans objet sur Destination. Tu l'as déjà dit. D'ailleurs, Pac-Man, il est très drôle. Il est très fun, Pac-Man. Ouais, on rigole trop quand on joue. Mais si, il balance des... Tiens, tu vois. Enfin, tu sais, mais... je sais. Vous allez voir, il balance des bouches d'incendie. Il fait genre que je ne sais pas. Oh, regarde, une bouche incendie. Que c'est étonnant. Mais il n'y a pas de feu, pourtant. Hein, à quoi cela peut-il bien servir? Allez, jouons. Allez. Je pense que je vais me faire défoncer. Mais Pac-Man, il est pas mal quand même. Hein. Mais c'est pas un perso à combo. Il y a plein de coups bien, mais individuels. Sa charge, elle est vraiment bien. Il passe en vieux Pac-Man. Et tu vas me laisser prendre mes fruits, là? Non. Mais bouge! T'es mieux de chier, Pac-Man. Mais je suis pas sûr que c'est un perso qui va faire les duels. Belle bombe, il est avec sa bouche d'incendie. Je crois que c'est la bouche d'incendie qui va tout changer. Oui, carrément. Bon. Ouais, j'ai peur. Regarde, hop, tu t'en vas, je suis mortifié. Bim! Your face. Ah non, pas la clé. Si, la clé. La clé, ça tue, ça. Hein. Non, pas la prise. Mais la prise de Pac-Man est très punitive, si tu veux. Tu veux pas remontrer l'exemple un coup? Si, regarde. Hop. Très bien. C'est pas juste d'incendie à deux balles. Hop. Ouais, reste bien sur le trampoline. Hein. Moi, j'ai déjà fait l'erreur de pas y rester. Alors, ouais, ça c'est marrant, ça, les trampolines sur le. C'est pour gêner l'adversaire, il est obligé de sauter au-dessus ou alors de se le prendre. Et du coup, tu obliges l'adversaire à sauter. Ça fait un genre de protection. Ensuite, tu mets la bouche incendie. Et voilà. Et là, t'es pépère. T'es tranquille. Et tu te fais éjecter dans le trou par ta bouche incendie. Tranquille, pépère. Quoi. Non! C'est super. Mais tu gagnes de la vie quand tu le bouffes le truc? Non, faut qu'il tombe. En fait, faut que tu bloques mon coup. Le machin blanc tombe. Mm-hmm. Et puis tu gagnes de la vie. Et tu gagnes 10%, je crois. Ouais, c'est pas ouf. C'est la vie, quoi. Tiens. Non! Je l'avais oublié! La clé! Hop là. Je te gêne. Ah, tu peux rester sur place. Toujours. Mm-hmm. Alors ça, c'était la toupie de Blade. Tu vas prendre des dommages avant de mourir. Ça, c'est toujours le stress quand t'as une vie de... Tiens, prends mon truc très lent. Okay. Je l'ai pas vu venir. Mais c'est ça le piège. La charge de chèque, on parle de la tienne. Ah, j'ai aussi une prise. C'est vrai qu'on fait pas assez de prises. Mais en même temps, le bouton est tellement mal placé. Ah, je tombe. On a plus envie de... Ne vous inquiétez pas. Je suis vivant. Je te laisse revenir. T'as vu, je suis comme je suis. Ah, mais tu vas mettre trop de dommages là. Bim, la toupie Beyblade. Tiens. Non. Et voilà. Le fantôme. Quand vous prenez un coup et qu'il y a le petit éclair qui apparaît, alors c'est mauvais pour votre gueule, franchement. Non, c'est pas en général, c'est tout le temps. Hein, tu vois. Non, mais des fois tu reviens. C'est quand t'es du mauvais côté. Ouais, bah, des fois quand j'ai pas. C'est pas toujours mauvais, c'est mauvais. Ah mais je peux te frapper ou comment ça se passe? Surpasse ma rapidité. Oh là là! C'était inattendu. Ah non mais là non mais. Je savais pas que ça faisait ça. Bah moi non plus. Bim quoi, l'explosion dans ta tronche. C'est un truc à travailler je pense avec Chani. Mmh. C'est un truc à travailler. Enregistrons. Car je connais des gens. Ils ont oublié. Ils ont eu des problèmes. Et c'est exactement ça. Alors là, j'ai perdu, donc je prends Falcon.
que t'as fait le con, donc tu prends pas le con. Voilà. C'était très drôle aussi. Rigolez s'il vous plaît. C'était drôle, c'était très très drôle. Allez, on enchaîne là. Oui, alors je vais prendre ton rival. Je veux ma win. Ganondorf. Ganondorf moche. Ma Ganondorf moche. Avec les cheveux blancs. Avec sa permanente. Allez, c'est parti, allons-y. Donc, on a vu au début, tu vas me défoncer parce que j'ai du mal à le faire à ta rapidité. Parce que là, arrête de bouger là, l'éclair jaune. Je suis le rival de Flash, je suis méga Flash. J'ai un costume qui ressemble à... Paille. Paille. Donc quand tu tapes les gens, tu dis paille. Ouais, mais c'est sorti tout seul. Tu sais que tu dis paille, il va te faire un procès pour ça. Hein. T'as pas le droit de prononcer son nom. C'est protégé. Okay. Ah, tu voulais me faire une interception, hein? Non, bien blanc, regarde. Allez. Et bim. Salut, bonnes vacances. Et au revoir. Là, je pense qu'il y a no match. Je pense que tu te fais juste laminer. Non. Non, non. Parce que là, je vais te mettre des gros coups dans ta face. Et tu vas me... T'as vu, car celui-là, franchement. Pour se le prendre, faut être un gros noob. Non, je t'ai mis 8% de dommage, j'ai 8% d'avance. 8% d'avance, c'est pas que ça de dommage. Quoi, je t'ai payé ? Non, disparition, apparition. Alors moi, je bouge partout, toi tu m'attends, c'est dégueulasse. Bah, en même temps, j'ai perso le plus lent, j'ai pas commencé à sauter dans tous les sens, ça fait un kiki. Hein. Ouais. Ça ne passera pas, ça. Ça sera d'enterrer. Mais... Moi aussi je peux le faire un relevé, attendre que le mec finisse en haut. Non, c'était pas ça. Lui. Juste avec le joystick de la 3DS, je trouve des fois jusqu'au sport qui est au le plus. Ce sera mieux sur Wii U. Bon, là on parle moins, on est concentré. Hein. Je sens que le Bois 2 veut gagner. Il se dit, je vais mettre un 2-0 à mon frangin. Ouais, ce serait magnifique, mais là j'ai quand même 121%. C'est vrai, tu enchaînes trois grosses matchs dans ta ligne. Ou alors que je tombe comme un con, comme j'ai fait le faire. Ah oui, je me suis retourné, hein. Je connais l'esquive. Tiens, moi aussi, je peux le faire. Oh voilà. C'était couru d'avance. Tu vas reprendre Falcon pour la dernière ? Non. Non ? Non. Tu vas faire... Tu prends... Déjà, je l'enregistre. Et toi, tu prends qui ? Moi, je prendrais bien un petit Mario. Un petit Mario. Là, je vais prendre Luigi. Voilà. Mario contre Luigi. Pour les la finale. Les deux frères. Donc, je vous rappelle que le gagnant va à la Paris Games Week. Oui. Voilà. Chaque homme un. Donc, deux frères qui se battent en vrai. Et deux frères qui se battent dans Smash Bros. C'est beau. C'est magnifique. On se bat pas en vrai. Non. Alors, Mario, qui a toujours été un bon perso. On a l'impression de voir des clones, c'est pareil. Puis... Hop, allez, on se touche. Un moment. Oui, alors, il y a le coup qui sert à rien de Mario. Hein, le... C'est vraiment gâché, je trouve. Mais avant, il avait quoi ? Dans Melee, il avait quoi ? Dans Melee, bah, il avait... Il avait la tornade. Hein, il avait un coup spécial. Bah, prends-toi plein de coups. Ça, c'est fort, ça, avec ce manchette de chien. Ça fait ça avec tous les persos. Hein. Ça fait ça... Quasiment tous les persos, tu peux le faire 2-3 fois avant que le mec cherche quelque chose. Mmh. Ouais, c'est la tôle en fait. C'est la tôle. M'entôler. C'est bon, je commence à me concentrer un peu plus. Ah, allez, l'EP atomique de Luigi. Toujours aussi fort. Je crois qu'il peut partir en couille. C'est-à-dire qu'il peut. Si je le t-shirt trop longtemps, voilà, il ne le fait pas. C'était pas comme ça avant. C'est toujours aussi fort. Bah, je sais pas, parce que là, je vais un peu mettre un smash. Comme ça. Y'a personne qui lance de boules. Voilà. Lançons des boules. Si j'ai envie de lancer, je vais même arrêter un TP atomique. Il faut lancer des boules. Avec le drapeau de moi, j'ai toujours bien aimé. Le fait de retourner son adversaire, je trouve ça pas mal. Tu vois, là, pour ce match, j'ai plus une base. Et pour revenir aussi. Alors, il y a un contre à ça. Tu fais des smashs à l'envers. Et...
Et voilà, je te l'ai déjà fait. Pas dans cette partie, mais je te l'ai déjà fait. Voilà. C'est beau. La première vue. Je pensais pas prendre la première vue, honnêtement. Non, parce que j'étais bien parti, moi. Ouais. Ouais, c'est beau ce que ce petit machin-là. La toupie malgache. Et voilà. Donc, ma 15%. Tout voilà. Se joue à une vie, hein, voilà. 15% sur deux vies, bah, on attendait pas moins de cette c'est finale. 15%. Hein. J'aime pas ce truc-là. J'aime pas. Ça me contrarie fortement. Ah, je pensais que t'allais faire le drapeau en chargeant. Oh là, ouais. L'interception. Oui, on remet des boules qui font trop de dommages. Elles servent à rien, ces boules. Dire, c'est marrant, tu tiens un adversaire à distance une minute. Mais après, ça fait très bien. Ah, ça se protège, ça esquive. Ouais, je suis désolé, on parle plus là, mais là, ça sent la win. Voilà, là, c'est... les coups placés sont chers. Je savais que t'allais faire le drapeau et j'ai rien fait. Non. C'était très mal cette toupie. Ouais, elle est très bien. Ouais. Ah oui, il y a les prises. Bah oui, ça existe. Mais le bouton est tellement mal placé que les prises, moi, j'en fais très bien. Explique-moi comment moi j'y arrive. Ah mais non, la fausse charge, ça j'aime bien ça. Ah oui, il va se suicider, c'est bon. Ah, non. La toupie. Oui. Non. T'as fait ta toupie au mauvais moment. Bon, ça s'est joué à un poil de cheveux. Ah, une moustache même, un poil de moustache un de Mario poil de Luigi. Moustache. Mais donc, bois 2, grand gagnant de ce duel. Et si vous aimez ces petites vidéos Smash Bros, peut-être que j'en ferai d'autres, peut-être avec Bois 2, peut-être encore avec Vapeur Lointain, peut-être avec 4, peut-être avec d'autres gens, peut-être à 8, non pas 8, peut-être un tournoi à 16, non, peut-être qu'on va à la Micromania et on vous invite chez moi. Voilà, c'était ma foi fort sympathique, Bois 2. Oui, et maintenant j'ai gagné. Et on a fait exprès de prendre des persos qu'on n'avait pas l'habitude de prendre, hein, qui je sont pas le plus fort, nos mains. Surtout Pac-Man, Ganondorf, on a pris qui d'autre? Ganondorf, bah, ouais, non, c'est pas du bah, Luigi et Mario, c'est pas non plus nos personnages favoris. Voilà, histoire que vous voyez d'autres trucs. Il y a du beau jeu. Voilà, et à bientôt! Shake your body. Shake your body. Shake your body.